Bonjour tout le monde, c'est votre ami Kakojar qui vient vous parler de quelque chose de très important dans le domaine du développement personnel. Alors, il était une fois un gars qui était marié et qui a choisi d'immigrer en Europe. Et pendant 5 ans, il n'est pas rentré. Et plus tard, il décide de faire une surprise à sa femme, il rentre. Et en rentrant, il trouve sa femme enceinte. Fou de rage. Énervé, il menace tout le monde de mort. Il était en quête de la personne qui a enceinté sa femme. Les sages du village le convoquent. Et dès qu'il arrive, il lui confie un livre saint, le Coran ou la Bible. Il lui demande, depuis que tu es en Europe, pendant ces 5 ans, as-tu jamais trompé ta femme? Si ce n'est pas le cas, nous te demandons de jurer la main sur ce livre saint. Et le mec qui réfléchit, il se lève, il part. Ils lui disent, en partant, tu prends ta femme, vous allez régler votre histoire ailleurs. Alors, pourquoi cette histoire, je vous la raconte? Si tu crois en toi, tu ne dois pas offenser qui que ce soit. Tu dois être quitte avec ta conscience. Mais si tu as offensé quelqu'un, le jour qu'on va te le rappeler, ta conscience va te le reprocher. Et si ta conscience te reproche des choses, tu ne pourras pas être confiant à 100%. Quelqu'un qui croit en soi a la paix intérieure et l'assurance à 100% qu'il est dans le bon chemin, dans la bonne attitude. Je vous remercie.